Allez, tiens. Non, aujourd'hui, je cherche d'autres types de trésors, moins palpables. Mais quand je tombe dessus, je le sais de suite parce que ça fait le même effet. Mais quand vous faites ça, c'est que vous êtes face à une pépite. C'est que vous avez trouvé un trésor. J'en peux plus, ils me saoulent tous. Attends, le mec, sa photo de profil, c'est Ryan Gosling. Il arrive au rendez-vous, c'est Christian Clavier. Mais si le mec, il disparaît, faut pas mettre cette photo pour l'alerte enlèvement. On le retrouvera jamais, hein. Bon, je suis allée voir sur ton Insta, c'est génial, hein, ça bouge, hein. Tu mets des filtres? Bah, mets des filtres. En ce moment, je perds une masse de cheveux, t'imagines même pas. Attends, j'ai cru que j'avais une maladie grave, genre une tumeur ou de l'eczéma. Quand je dis que je suis content, en fait, ça veut dire je suis pas content. D'accord? Marion, t'es belle. Funérailles d'hiver, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce de... Hanok Levin. Alors, Hanok Levin, auteur israélien, qui écrit entre les années 60 et les années 90 et qui produit une critique virulente de la société, de la culture de l'État d'Israël et de sa politique également. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la scène où... La scène où il frappe à la porte. En fait, l'histoire, je peux expliquer parce que j'aime... Vas-y. C'est l'histoire d'Alte Bobichek qui meurt. Une fois que quelqu'un est mort, on organise normalement un enterrement. L'enterrement aura lieu donc le lendemain, sauf que le lendemain, un mariage était prévu entre Velvetia et Popochenko. Donc là, ils sont résolument décidés à ne pas aller à l'enterrement. Ils luttent à la vie, à la mort, contre l'enterrement. Et ça part en sucette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop raconter parce qu'on peut pas vous spoiler. Bah non, c'est dommage. Quel est le contexte, putain, mais oui, mais déjà, arrête de jouer de la guitare.
Festival d'automne du Conservatoire TPM. Les 23, 24 et 25 novembre. Le Conservatoire TPM organise chaque année une saison culturelle foisonnante, imaginée sur l'ensemble du territoire de la métropole, voire au-delà. Concerts, spectacles, masterclass, ateliers, conférences et autres actions en lien avec les partenaires de l'établissement. Le Festival d'automne du Conservatoire TPM est un événement gratuit. Renseignements et réservations sur conservatoire-tpm.fr. Festival international de piano du 16 au 21 août. Depuis 2006, le festival fondé par l'association Musique à la Cour invite la jeune génération de solistes internationaux à partager leur répertoire et leur passion avec un public de plus en plus nombreux. Durant les concerts, les artistes offrent non seulement leur sensibilité et leur interprétation, mais aussi un moment d'échange autour des œuvres et des compositeurs. Une occasion d'écouter des musiciens du plus haut niveau dans une proximité rare. Renseignements et réservations sur musiquealacour.com. Quand la culture vous transporte, en partenariat avec Le Liberté et Château-Vallon. Annonciation, torpeur et noces par les ballets Presse-Jocage. Angelin Presse-Jocage revient avec un programme en trois pièces. L'occasion de redécouvrir deux chorégraphies majeures de son répertoire, Annonciation et noces, ainsi qu'une nouvelle création, Torpeur. Une journée particulière, Dettore Scola. Mai 1938 à Rome. Alors que Hitler rencontre Mussolini lors d'un défilé marquant l'entente fasciste de l'Allemagne avec l'Italie, Antonietta, prise dans le chaos familial, frappe à la porte de Gabriele. Ces deux âmes solitaires vont se confier pour la première fois l'une à l'autre, l'une sur sa douleur liée à son homosexualité dans une société fasciste et misogyne, l'autre sur son désarroi de femme non instruite et d'épouse trompée. « 20 000 lieues sous les mers » de Jules Verne. Ce spectacle pour acteurs et marionnettes nous embarque à bord du Nautilus, vaisseau légendaire tenant à la fois du monstre marin et du navire de pointe commandé par le capitaine Nemo. On y retrouve les personnages du roman de Jules Verne. Les acteurs, accompagnés d'une troupe de poissons, nous font voyager au cœur de ce monument de la littérature. À voir en famille dès 8 ans. À ciel ouvert, par le cirque Aïtal. Prenez place sous les étoiles dans le campement du cirque Aïtal. Dans cette ambiance de village, nos deux artistes nous livrent un merveilleux cirque alliant burlesque et poésie. Au son d'une musique live, ils enchaînent les numéros main à main, petite bascule, pole dance et autres acrobaties. Des figures spectaculaires présentées avec beaucoup de talent et une énergie débordante. À voir en famille dès 7 ans.